Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur le thème des cils. Je vais vous expliquer un peu comment avoir des cils au top. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes en replay. Donc n'hésitez pas à écrire hashtag replay en commentaire juste en dessous. Je suis un petit peu en avance, donc je vais attendre. En attendant, je vais partager mon live sur ma page. Et vous pouvez faire pareil, ce serait cool. Est-ce que vous allez bien? Coucou Sandra, coucou Priscilla, hello hello, coucou tout le monde. Comment ça va? Salut Lynn, Sandra, Aurélie. Vous êtes au taquet? Hello hello, mais dis donc, vous êtes au taquet. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous parce que comment vous dire que chez moi c'est un truc de dingue. Il fait vraiment beau, c'est trop cool. Hello tout le monde! Vous avez la forme? Hello! Salut Jess, salut Maggie, Alex. Regarde Alex que j'ai mis aujourd'hui. Mes belles boucles d'oreilles. Hello! Bon, je vois que les cils vous intéressent, ça ne m'étonne pas. Du maquillage, d'avoir des beaux cils. Je pense qu'on rêve toutes d'avoir des cils de ouf. Et ben ça tombe bien parce que je vais vous expliquer dans ce live comment faire avec nos merveilleux produits. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Donc aujourd'hui, je fais une petite aparté parce qu'après, souvent on me demande, après que j'ai fini mon live, on me demande ce que j'ai mis et tout ça. Donc je le dis tout de suite, ok? Aujourd'hui, j'ai fait très light. J'ai mis l'offre du mois teint. Donc j'ai mis mon fond de teint stick, un blush, mon petit correcteur. OK? Et j'ai mis un rouge à lèvres. Donc là aujourd'hui, j'ai mis quelque chose de pétant. Vu que je fais que mes cils, j'ai pas mis de fard à paupières. J'ai mis le crayon pour les lèvres Popular avec le rouge à lèvres Top Notch. Voilà. Comme ça, vous savez. Et ensuite, les cils, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Oui, elles sont trop belles celles-ci, j'adore. Regardez les boucles d'Alexandra, comme elles sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Il fait trop beau, bureau à la maison, c'est dur. C'est clair qu'il fait un temps magnifique. Coucou, il fait beau en Belgique. Ah, c'est cool! Gros bisous à toutes les Belges qui nous regardent! C'est cool! C'est cool, c'est cool. Coucou Audrey! Alors, coucou, je dois recevoir mon colis avec Epic 4D et la base. Je suis comme une fofolle, j'attends le livreur, comme quand j'étais gamine et que j'attendais le facteur pour qu'il me donne mon bulletin avant que ma mère le voie. C'est exactement ça, Sophie. C'est exactement ça. Généralement, quand on reçoit des colis uniques, c'est Noël avant l'heure, quoi. Et ça tombe bien, du coup, que je fasse ce live parce que, du coup, ça va t'aider pour appliquer les produits. Donc, si comme Sophie, vous avez envie de vous procurer nos mascaras, notre base et tout ça, j'ai des bonnes nouvelles puisqu'il y a des promos. Des promos sur les cils. Donc c'est pour ça aussi que je voulais absolument vous faire un live spécial cils parce qu'il y a vraiment des belles réductions. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous occuper de vos cils, voilà. Je me suis dit qu'en période de confinement, les femmes qui portent des faux cils ou des extensions et tout ça, elles peuvent pas les entretenir. Donc je me dis que ça peut être, voilà, au lieu de faire poser des extensions de cils, je vais vous montrer comment faire un résultat voilà, plus naturel avec des produits de maquillage. Merci beaucoup pour vos partages, vous êtes des amours, merci, merci pour tout. Bon, on commence. Et puis je vais vous donner une astuce aussi pour agrandir le regard, un truc tout bête mais qui marche du tonnerre, ok? Donc si vous voulez faire quelque chose de light. Donc moi j'ai fait mon teint, voilà, avec l'offre teint qui est dispo sur mon site. J'ai mis un rouge à lèvres pétard parce que quand il fait beau comme ça rehausse le teint et tout ça. Et j'ai fait mes cils. Donc j'ai fait un côté pour vous montrer la différence. Ok? Donc là vous voyez bien, j'ai mis la base et mon mascara épique. Pour moi c'est vraiment le duo gagnant. Vous pouvez bien évidemment mettre le mascara 4D. Il n'y a aucun souci, ça fera encore plus effet faux cils. Le mascara 4D, vous avez des petites fibres à l'intérieur qui font que ça va être encore plus intense. D'accord? Donc ça, moi j'utilise celui-là parce que pour moi c'est les basiques simples à utiliser. Le 4D, il y a un petit coup de main à prendre. Mais voilà, je. Coucou les filles! Coucou tout le monde!
je suis trop contente de vous savoir ici, c'est cool. Donc, je vais vous expliquer, le duo, ça donne ça. Donc, vous voyez, j'ai mis ma base, mon mascara et pique, et regardez la différence. Vous me connaissez maintenant à force de me suivre, je n'ai pas des cils de fou. Hein. J'ai des cils... J'ai pas des cils de dingue, hein. J'ai des cils normaux, on va dire, fins. Très très fins, mes cils, ils sont pas épais du tout. Et ils sont pas super longs, hein, comme vous pouvez voir, ils sont normaux. Franchement, j'ai des cils rien de plus normaux, quoi. Ok? J'ai pas des longs cils et tout ça. Et bah regardez, un truc de fou, avec la base et le mascara. Franchement, ça change tout le regard. On est d'accord que là, mon œil a l'air beaucoup plus réveillé, plus pétillant. Et là, mon œil, on a l'impression qu'il est affaissé et plus raplapla, quoi. Plus fatigué. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on ne se maquille pas et qu'on ne met pas de mascara, la première chose qu'on nous dit, c'est « T'as l'air fatigué. » Mais non, j'ai pas mis de mascara, connard. C'est trop ça. Je pense qu'on vous l'a déjà dit. Donc, le mascara, c'est la base du maquillage. C'est ce que tout le monde devrait, même si on se maquille pas beaucoup... Tout le monde devrait se mettre du mascara. Enfin, ça change tout le regard et on le voit bien. On le voit bien sur mon regard là. Donc, je vous montre le avant, puisque je vais faire cet œil là. Donc, vous verrez plus mes cils avant. Mais vous voyez bien, je regarde dans l'air pour bien que vous voyez la différence des cils. Donc, avant, pas beaucoup. Après, c'est quand même mieux. Hein. Ça apporte, voilà, ils sont plus recourbés, plus longs, plus épais. Oui, je vais vous expliquer les astuces, mais chut, Claire et Sophie, chut, je vais vous expliquer la petite astuce, mais bon, je pense que vous la connaissez aussi, mais je vais l'expliquer pour celles qui ne connaissent pas. Ouais, trop, je dis ça souvent à ma sœur quand elle vient pas maquiller. Bah ouais, mais c'est ça. C'est vrai que quand on met pas de mascara, souvent on nous dit, mais t'as l'air fatiguée. Bah, parce que j'ai pas mis de mascara. C'est trop ça. Mais parce que c'est dans le regard, en fait. Quand on met pas de mascara, vous avez vu, on fait l'air plus fatigué. C'est complètement normal. Coucou Sandy, coucou Sabi, coucou tout le monde, salut Manon, salut ma cousine. Oui, ou t'es malade. Mais c'est ça, exactement. Alors, la petite astuce que je vais vous donner tout de suite, effectivement, et plusieurs personnes me l'ont dit, c'est le crayon blanc. Vous vous demandez sûrement à quoi sert un crayon blanc pour les yeux, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas un truc qu'on va mettre en liner et tout, c'est pas terrible, hein. Disons, le crayon blanc en liner, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. On peut faire dans un maquillage artistique, mais c'est vrai que le crayon blanc, voilà. Si vous avez un crayon blanc, vous allez pouvoir l'utiliser, ça sert à agrandir votre regard, à lui donner plus de peps, qu'il soit plus lumineux, qu'il ait moins l'air fatigué. Ok, donc là, vous avez vu, j'en ai mis à l'intérieur de ma muqueuse. Ça sert à ça, un crayon blanc. Vous le mettez à l'intérieur de votre muqueuse et ça va agrandir votre regard et le rafraîchir, vraiment. Ok, donc si vous avez un crayon blanc, bah, vous savez maintenant l'utiliser. Utilisez-le, surtout quand on fait des maquillages comme ça, estival, où on met que du mascara, on fait un peu le teint et un petit rouge à lèvres peps. Et bah ça, c'est génial. Le crayon blanc, c'est un indispensable pour l'été. C'est vrai que je l'utilise beaucoup plus l'été. Vu que je me maquille moins les yeux, bah je mets ça et c'est très bien. Et vous avez vu, ça fait un regard frais et ça agrandit le regard. D'ailleurs, on le voit bien sur mes deux yeux. Le fait d'avoir un crayon blanc, ça agrandit en plus d'avoir du mascara. D'accord? Si vous mettez votre crayon noir à l'intérieur de l'œil, à l'inverse, ça va rétrécir vos yeux. Ok? Faut savoir. Le noir rétrécit. Donc c'est d'ailleurs, c'est quand on est habillé en noir, ça nous mincit. Et quand on habille en blanc, ça nous grossit. Ben, c'est exactement pareil avec les crayons. Le crayon noir, si vous le mettez à l'intérieur de l'œil, ça va vous rapetissir les yeux. C'est pour ça que je le conseille pas. À moins que vous fassiez un smokey eye et tout, et voilà. Mais ne mettez plus de crayon noir à l'intérieur de vos yeux. Remplacez-le par un crayon blanc. Et ça va agrandir votre regard. Pour moi, ce mascara épique, il n'y a pas mieux, franchement. Ah, mais oui, Blandine. Mais tu prêches une convaincue. Je n'arrête pas de le dire. Mais bon, si. C'est exactement ça, le mascara épique est vraiment bien. C'est un super produit. Hello tout le monde, coucou, coucou. Donc, on va commencer. Donc, déjà, la bonne nouvelle que j'ai à vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez des promos lorsque vous prenez deux produits ensemble. Donc, c'est ça qui est vraiment la bonne nouvelle. Par exemple, sur mon site internet, vous allez dans acheter dans cils, et là, vous allez voir tout en bas, il y a ensemble pour les cils, ok? Et là, vous allez voir des duos et des trios spécifiques cils. Donc, par exemple, la base et le mascara épique vous coûtent moins cher quand vous les achetez ensemble. Et c'est vraiment une belle réduction. Je vous donne un exemple. Cette base coûte 26 euros. Ce mascara épique coûte 26 euros, ce qui fait 52 euros, ok? Si vous les achetez les deux ensemble, ça vous fait 47 euros. Donc, ça fait quand même une belle réduction, on est d'accord.
Ce duo, ça s'appelle le Whiplash Duo. Vous pouvez l'avoir les deux ensemble. Ça vous fait déjà une réduction. Et si en plus vous prenez les sérums pour les cils, ça vous fait une encore plus grosse réduction. Il y a le trio aussi. Sachant que vous pouvez choisir la couleur de votre mascara, il y a noir waterproof, noir et brun. Donc c'est ce qui est génial si vous avez le choix. Ok? Donc vous pouvez regarder sur mon site les ensembles sur les cils. À partir du moment où vous prenez minimum deux produits cils, c'est valable sur tous les produits cils. À partir du moment où vous prenez deux produits cils, vous avez une réduction. Donc ça peut être même le mascara 4D, le sérum, tous les produits cils. Donc en produits cils, il existe mascara 4D, mascara épique normal, la base pour les cils, je vais vous en parler tout de suite, et le sérum. Le sérum, c'est un produit pour les cils, mais qui à part, c'est un soin. Il est transparent. C'est un produit que vous pouvez mettre tous les soirs avant de vous coucher. Ça va fortifier vos cils et les faire pousser. Ok? Pour moi, c'est un indispensable aussi. Mais si vous prenez ces deux-là, ça vous fait une réduction. Si vous prenez ces deux-là, ça vous fait une réduction. Si vous prenez ces trois-là, ça vous fait une réduction. Si vous prenez ces trois-là, ça fait une réduction. Enfin, il y a des réductions à partir du moment où vous en prenez minimum deux et vous choisissez lequel vous voulez. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous dire. Ça vaut le coup. Ok? Deuxième chose, notre base a eu l'honneur d'être élue meilleure base pour les cils par par un magazine américain qui est très connu aux États-Unis et qui a reconnu que la base pour les cils de Unique est le top du top. Donc aux États-Unis, vous savez qu'en termes de maquillage, ils sont encore mieux servis que nous parce qu'ils ont vraiment un choix de fou. Et il faut savoir que la base a été élue meilleur produit. Donc pour vous dire que déjà c'est un truc de fou. On va l'appliquer tout de suite. Hello, hello! Oui, Carla, je me souviens très 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 bien de toi, il n'y a pas de souci. Coucou Lolo, comment ça va? Coucou Émilie, coucou Mélissa, coucou tout le monde. Merci pour tous vos partages, vous êtes des petits cœurs, c'est cool. Donc la base pour les cils, on commence par ça. Aujourd'hui, je vais faire très simple. Je voulais pas vous montrer 50 000 produits, puis je voulais vous montrer quelque chose de facile, rapide, efficace. Donc la base pour les cils, élue meilleure base par un magazine américain, on va l'appliquer. Et j'ai choisi le mascara épique parce que pour moi c'est le plus simple à appliquer et je le kiffe. Ok? Donc on y va. Coucou tout le monde! La base pour les cils, ça sert à quoi? Ça sert à recourber les cils, à leur apporter du volume, d'accord? À les nourrir, vous avez de la vitamine à l'intérieur. Et ça évite de mettre trop de mascara par la suite. Moi, vous savez que je suis une fan de mascara, donc quand je mets du mascara tout seul, j'en mets quelques couches, parce que j'aime bien quand mes cils sont fournis et volumineux. Ok? Le fait de mettre la base, bah du coup, vous mettez moins de mascara dans votre mascara, il dure plus longtemps. Ok? Et ça fait vraiment tenir le mascara nickel chrome. Ok? Donc cette base à l'unité, vous pouvez vous la procurer, elle est à 26 euros. Et si vous la prenez avec le mascara, ça vous revient moins cher. Ok? Donc on y va. Hello tout le monde! Coucou, coucou! Donc c'est comme ceci la base. Donc vous voyez, c'est une brosse incurvée. Donc elle est vraiment faite pour bien prendre vos cils et bien la mettre partout. Ok? Donc je vais agrandir mon œil, parce que je sais que vous aimez. Oui, il n'y a pas de souci, Carla, tu peux m'envoyer un message en privé. Il n'y a pas de problème. Donc on y va. On applique la base. Donc la base, elle est blanche. On est d'accord. Oh là là, je suis en gros plan. Bouh! Berk! Remarque là, vous voyez bien mes cils. Vous voyez bien la différence. Là, c'est la magie. Et là, pouet, pouet, pouet. Ok? Vous voyez bien la différence. La base, elle est blanche. On va l'appliquer sur les cils. Ok? Donc on y va. Donc, ce qui est génial, c'est que vous voyez, elle épouse bien la forme de l'œil. Donc, on en met comme ceci, comme un mascara. Vous mettez bien en ras de cils, vous faites des mouvements de va-et-vient et vous appliquez bien votre base partout. Faut que vos cils ils soient bien blancs. Je pense que vous voyez bien. Donc, on en met bien partout. Moi, j'en mets même en dessous. Vous voyez bien, c'est pas pixelisé les filles. Regardez déjà avec la base. Comment je gagne enfin des centimètres, je vais pas exagérer. Comment je gagne des millimètres. Rien qu'avec la base. Vous la mettez bien partout, vous mettez bien sur les pointes comme ceci.
et vous rebalayez comme ceci. Ok? Et ce que j'ai... Ah oui, ce qui est bien aussi dans la base, c'est que ça évite de mettre du mascara de partout au-dessus, là. Avec la base, c'est top. Moi, j'en mets aussi en bas. Mais ça, c'est au choix. Vous faites comme vous voulez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. Si vous aimez pas vous maquiller le dessous de l'œil, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a aucune obligation. Moi, j'en mets. Ok? Donc, voilà. Là, ma base, elle est bien, bien appliquée. Ok? Vous voyez? Voilà. On la laisse sécher pas trop longtemps. Hein. Faut pas trop longtemps laisser sécher. Il y a un juste milieu. Mais ça, vous verrez, vous prendrez le coup de main. Si vous le mettez tout de suite et que c'est pas sec, ça va vous mettre du blanc sur le mascara, c'est pas top. Et si vous laissez trop sécher, ça va faire un effet cartonné pour mettre le mascara après, c'est la merde. Ok? Donc là, on laisse légèrement sécher le temps que je discute. Et après, on va mettre le mascara épique. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Coucou Mylène, coucou Aurore, comment ça va? Alors attendez, je vais juste relever ma caméra parce que je suis en train de me faire un torticolis. Donc là, vous voyez, ma base, elle est appliquée. Je pense que vous voyez bien. Elle est blanche, c'est complètement normal. Donc bien évidemment, vous ne restez pas comme ça et vous allez mettre le mascara épique par-dessus. Ok? Donc mon mascara épique, moi je mets le noir, mais il existe en marron, il existe en waterproof. Et vous pouvez également mettre le mascara 4D par-dessus. Moi, j'ai choisi le épique aujourd'hui, mais ça aurait pu être le 4D. D'accord? Et on y va. Donc là, on va mettre son mascara tout simplement par-dessus. Et le fait qu'il y ait la base en dessous, ça va éviter les paquets. Mais s'ils sont bien, bien séparés. Et du coup, on met moins de mascara que d'habitude. Là, vous voyez, je ne vais pas remettre mon tube. Je ne vais pas remettre ma brosse dans mon tube. Le but, c'est de bien recouvrir le blanc. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que je suis bien, ouais. Le but, c'est de pas de tout recouvrir pour plus qu'il y ait de blanc. Hein. On est d'accord? Voilà. Vous avez vu, c'est un truc de fou, hein, comment ça change les cils. Donc après, vous mettez ce que vous voulez, le nombre de couches que vous voulez. Vous, c'est vous qui gérez. Et moi, je vais en mettre en dessous. J'ai fait un caca boudin. Alors, je galère parce que j'essaye de me maquiller devant vous. C'est pas facile. Voilà. Et là, je vais vous montrer le résultat. On concentre juste et on recouvre, voilà, on cache le blanc en fait de la base. Est-ce que vous voyez bien mes poulettes? Voilà. Après, je vais enlever les petits caca que j'ai fait. Alors, ce que je vous conseille de faire, les filles, si vous n'avez pas, c'est effectivement de mettre le sérum avant de vous coucher, ce qui va fortifier vos cils. Et du coup, va les fortifier et les allonger au fil du temps. Mais par contre, le sérum, c'est une cure. Donc, si vous l'utilisez pas, ça sert à rien. Il faut le faire tous les soirs avant de vous coucher. Vous vous occupez de votre peau et vous vous occupez de vos cils. D'accord? Voilà. Donc, moi, je rajoute encore un peu parce que j'aime bien quand c'est volumineux. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez, ça change. Hein. Là, on voit plus le blanc. Bon, après, c'est pas parfait parce que je galère de le faire en live. Voilà. Et là, je passe en dessous. Vous voyez, les petites tics. Voilà. Mais cette base, elle est top. Hein. Franchement, ça change tout. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Ah, vous voyez bien, c'est cool. L'ensemble, est-ce que c'est fait que pour les mascaras? Tu voulais quoi comme ensemble? Oui, l'ensemble est fait... non, il y a... Attends, il y a quoi comme ensemble? Il me semble qu'il y a des autres ensembles, mais oui, que pour les mascaras. Donc, vous voyez les filles? Truc de fou, hein? Vous avez vu le regard que ça fait? Truc de malade. Donc là, je vais mettre le crayon blanc pour vous montrer la différence. Voilà, là, je mets mes cils correctement. Donc là, vous avez vu, je voulais vous montrer aussi. Donc là, j'ai fait mes cils, ça change déjà tout. Et je voulais vous montrer avec le crayon blanc à l'intérieur, ok? Regardez bien. Le sérum, je m'en passe plus, je l'adore. Bah, le sérum, moi, ouais, c'est un très bon produit. Je vais vous montrer comment il est, la boîte, pour que vous puissiez vous repérer sur le site. Il a un capuchon violet. Donc ça, c'est un soin. Il est transparent, en fait. C'est un mascara, mais transparent. Donc vous l'appliquez que le soir avant de vous coucher. Vous pouvez l'utiliser, comme j'ai expliqué l'autre fois, pour les sourcils.
Pour les sourcils, ça fait pousser les poils. Pour les cils, et même les hommes l'utilisent pour la barbe. Et ouais. Donc là, regardez bien ce que je vais faire. Hop. Je vais mettre mon crayon blanc à l'intérieur. Attendez, je vais me... Voilà. Je vais le mettre à l'intérieur de l'œil. Et là, ça va m'agrandir. Alors, attendez. Ça va m'agrandir le regard. Et ça va apporter un coup de frais. Voilà. Juste sur la muqueuse, hein. Pas sur la peau, juste sur la muqueuse. Et voilà! Alors, attendez. Et ça fait naturel. Et ça réveille le regard. Alors attendez, parce que... Je galère. Voilà. Le fait de mettre de crayon blanc à l'intérieur de votre regard, ça le... Poum! Réveille. C'est la magie. Hello! Salut les filles, merci beaucoup pour vos partages, vous êtes des amours. Bon, bah super si vous avez bien vu. Donc voilà le résultat. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. La base magique. Élue meilleure base. Le mascara épique noir ou marron, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre du noir, hein, vous pouvez mettre du marron, vous pouvez mettre le mascara épique 4D, vous faites ce que vous voulez. Ça, pour moi, c'est le duo gagnant et vous avez une réduction en ce moment sur mon site en les achetant tous les deux ensemble. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que ça change tout le regard. Le fait de mettre du mascara et tout, ça change vraiment le regard et ça agrandit et ça fait plus frais. Le sérum marche au bout de combien de temps pour avoir un résultat? Je dirais minimum 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais. Au bout de 2 semaines, déjà, tu vois les résultats. Mais alors après, au bout de 3 semaines, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais par contre, faut être assidu, faut l'appliquer tous les soirs. Ouais, j'adore mettre le blanc. Bah oui, c'est une petite astuce maquillage. C'est vrai que souvent, on se demande à quoi ça sert un crayon blanc pour les yeux. Et bah effectivement, ça sert à agrandir le regard. Et c'est vraiment top en été. C'est un produit que j'utilise beaucoup parce que du coup, on met du mascara, un petit rouge à lèvres et puis ça va bien. Et bah crayon blanc, c'est un indispensable. Coucou Mélanie, c'est un indispensable et du coup, ça agrandit le regard. Donc voilà. Donc je récapitule. Pour les produits, pour les cils, d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, vous me contactez en message privé, il n'y a pas de souci, je vous conseillerai avec grand plaisir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas même à les poser en live. Mais voilà. Si, donc la base, vous pouvez l'acheter à l'unité. Le mascara, vous pouvez les acheter à l'unité. Et vous avez, sachez qu'il existe des offres cils en duo ou en trio avec le sérum. Et ça vous coûte moins cher. Clairement, faut le dire, ça coûte moins cher. Hier, j'ai fait révérend plus couleur pêche. Ah, bah, je suis contente, Daniela, si ça vous a inspiré. Je suis contente. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. C'était pas très long. C'était vraiment facile plutôt pour vous expliquer. Hein, quand on a des produits qui sont top, voilà. Tous les produits que j'utilise sont, et tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont disponibles sur mon site www.uniquebyjenny.fr. www.uniquebyjenny.fr. Et si vous avez besoin de conseils, vous me... contactez avec grand plaisir. Merci pour toutes vos commandes. Là, il y a beaucoup de mes clientes qui sont connectées, donc j'en profite pour vous faire un gros bisou et vous remercier de votre confiance. Et n'hésitez pas à partager ce live en cliquant sur partager juste en bas. Et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau masterclass. Je vais voir ça. C'est un peu la course en ce moment parce que comme j'ai les enfants, je vous raconte pas le délire. C'est un peu speed, mais vous me comprenez, on se comprend. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Gardez le sourire, gardez la pêche. Prenez soin de vous surtout, hein, c'est important. Et voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et profitez de votre famille. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, bisous, ciao.